les trains de la route de la soie, c'est pas vraiment fait pour relier Shanghai à Rotterdam ou au Havre. Il y a une meilleure, il y a une pertinence bien plus grande pour relier Xi'an, Chongqing, Chengdu, Wuhan peut-être, avec l'Europe du Nord, encore plus avec l'Europe centrale, la Pologne et la République tchèque par exemple. Le problème du marché français, c'est que on n'a pas tous les jours des trains qui font Bordeaux, Lisbonne, Paris, Lisbonne, etc. Gros problème d'infrastructure parce que les frontières ne peuvent pas accepter plus de 18 trains par jour. Hein, vous avez deux frontières, là, en termes de prix. Aujourd'hui, un conteneur coûte de gare à gare à peu près 13 000 dollars. C'est à peu près en import. C'est à peu près le tarif du transport maritime. En réalité, le coût aujourd'hui d'un conteneur d'une gare sur une gare en Europe, il est de 8 à 9, entre 7 et 9 000 dollars. Hein, ça dépend, si on va à Madrid, évidemment, c'est plus cher. Et ça, c'est un prix sans subvention. Donc, la chance pour eux, c'est que en réalité, au départ de Chine, il n'y a pas besoin de subvention. Donc il y a besoin de subvention pour l'export, pour recharger les trains qui repartent d'Europe. Donc là, je ne pense pas qu'en fait, ce sont les Chinois qui prennent en charge ça, hein, mais dans le système de calcul de coûts, de toute façon, les trains doivent repartir à vide. Ah, donc nous, les trains qui arrivent à Valenton, pour l'instant, ils repartent vides. En principe, fin octobre, ils repartiront à moitié chargés, et ainsi de suite. Donc on va enclencher les exports, mais effectivement, tout ça fait partie d'une enveloppe, et les Européens facturent aux Chinois en fait, des prix aller-retour. J'espère que dans un an, peut-être après, quand le maritime reviendra sur son métier d'origine, et que peut-être les prix baisseront, nous, on pourra se reconcentrer sur un produit qui est bien spécifique, qui est basé sur le délai, et pas sur des centaines de TEU, voilà. Afin d'essayer de concevoir le train d'après, hein, d'après la crise, lorsque le maritime reprendra son activité, c'est ce qu'on essaie de faire. Et donc, bien entendu, il faut venir sur une plateforme multimodale. En France, il y en a deux. C'est Dourges et Valenton.